les Burak, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec cette magnifique image que vous voyez. La victoire du Français Julian Alaphilippe qui empoche le maillot à points. On verra tout ça après. Bref, victoire française. Une bonne journée pour les Français. Un autre maillot distinctif qu'on verra après, ça sera pour Pierre Latour. Et non Pierre Roger, parce que Roger, c'est son deuxième prénom, je vous le dis, voilà. Chaque fois, il y a du cinéma, on ne sait pas trop. Bref, alors une étape, bon, il va avoir, ça va être long avant qu'une échappée se dessine. Avec, il va falloir attendre des tentatives, mais qui échouent, pas plus de 20 secondes pris, et ça revient après. Il va falloir attendre le sprint intermédiaire, et Peter Sagnel empochera les 20 points et prendra des points, bien sûr, sur les autres. Sprinteurs qui n'ont pas été là dans le peloton, il n'y avait qu'une côte quatrième ou troisième catégorie, mais bon, ils auraient pu la tenir, je sais pas, ils ne devaient pas être dans le peloton. Bref, il a pris les points et il conforte son maillot vert. Et après, une échappée va se dessiner avec le gagnant Julian Alaphilippe. Et on va voir qu'à la fin, dans les allez, à 35 km de l'arrivée, il est un peu dans le mal. Et tout d'un coup, on le voit attaquer. Et déjà il y avait un homme qui avait attaqué, et après il y en a qui ont essayé de suivre. Ça s'était coupé en plusieurs parties d'échappée, il revient sur toutes les petites parties d'échappée. Et il va lâcher, il va retrouver le coureur des teams Direct Energy. Et il va lâcher, après c'est Taramaé, mais bon repris, après Taramaé reprend, il le relâche, il met plus d'une minute dans la gueule. Le maillot jaune était aussi dans l'échappée, il conforte et garde son maillot jaune. Il avait déjà fait ça, je crois que c'était il y a 2 ans quand il avait pris le maillot jaune. Il semble que c'était il y a 2 ans, il avait mis 6 minutes d'avance, là il en a perdu un peu, après il avait 6 minutes quand il était avec la tête de la course, il en a perdu après comme je vous l'ai dit. Mais il est toujours maillot jaune et attention, on sait jamais. Christopher Froome, tout ça, voilà. Et comme je disais, il a lâché tout le monde. Bon grimpeur, Julian Alaphilippe, et qui s'impose en solitaire. Bon, mauvaise journée par exemple pour Romain Bardet. Hein, Froome aussi qui a crevé, crevaison de Christopher Froome à un moment. Voilà, pour les favoris, ça a été une mauvaise journée aujourd'hui, on peut dire ça comme ça. Mais pour les Français, en règle générale, ça a été une bonne journée. On espère que nos deux Français, Pierre Latour et Julian Alaphilippe, garderont leur maillot distinctif qu'on verra après, par la suite. Et demain, c'est une grosse étape de montagne. Après-demain aussi, bon, on verra ça, tout ça après. On va tout de suite voir le classement de l'étape. Le podium de cette étape avec Julian Alaphilippe aux Français qui s'imposent en deuxième. Yann Izaguirre, troisième, Taramaé, Garen Thomas, c'est le meilleur des favoris qui finit dixième, à vrai dire. Ah, il y a Dan Martin qui est septième, pardon, dans les favoris. Je vous laisse mettre pause si c'est trop court, bref, je ne veux pas tout vous lire, le classement. Et pour info, mes trucs sont pris sur le site du Tour de France. Donc pour voir la suite du classement de l'étape et des classements généraux, allez sur le site du Tour. Le premier maillot, maillot jaune, ça reste sur les épaules de Greg Van Avermaet qui conforte un peu plus, il a pris 2 minutes sur tout le monde, sur les favoris. Je pense pas qu'il lui gagnera demain, il sera bien cramé de cette échappée et à mon avis il se fera lâcher avec un ou deux cols deuxième hors catégorie. On verra ça après. Suite des maillots, le maillot vert toujours pour Peter Sagan qui a conforté grâce à ses 20 points au sprint intermédiaire. À mon avis, il le ramènera une énième fois sur Paris, à part l'année dernière où il s'est fait disqualifier, autrement il l'a toujours presque ramené sur Paris, le maillot vert. Voilà pour le maillot vert. Voilà, on en vient à ce premier maillot distinctif pour un Français. C'est le maillot à poids pour Julian Alaphilippe, qui a dit tout à l'heure sur les antennes de France Télé qui, au début, pensait pas au maillot à poids. Peut-être que maintenant, il va y penser. On sait qu'il a les qualités pour le ramener sur Paris. On espère qu'il le ramènera demain. S'il veut conforter son maillot à poids, il va falloir partir. Et demain, et après-demain, c'est une grosse étape de montagne. Et après-demain, c'est l'Alpe d'Huez. La mythique arrivée des Alpes d'Huez. Bref, l'Alpe d'Huez avec une prophétie qui dit que normalement, un Français gagnera. Ça fait les 3 dernières fois, c'est un Français qui a gagné. Peut-être 4 fois. Peut-être Julian Alaphilippe pour une deuxième victoire d'étape. Voilà. Alors le deuxième maillot distinctif pour un Français, vous l'aurez bien compris, c'est le maillot blanc pour Pierre Latour. Pas tout, mais c'est pas tout noir pour la GSR, on l'a vu. On espère qu'il va le garder, il a quand même pas mal d'avance sur le deuxième favori qui est le coureur de la Team Sky. Les autres, je pense pas qu'ils pourraient le ramener. Lui, c'est un des favoris avec chez Edval, je crois, un truc comme ça. Il s'appelle, je sais plus le nom du coureur. Bref, voilà les amis.
Changement au dossard jaune du maillot jaune et de dossard jaune et casque jaune de la meilleure équipe. C'est la team Aspana de Nero Quintana et d'Alejandro Valverde. D'ailleurs, en difficulté, Alejandro Valverde, au moment de cette étape, qui prend les dossards jaunes et casque jaune de meilleure équipe. Bonne chance à eux. Le maillot blanc de Pierre Latour qu'on espère qu'il emmènera sur Paris, c'est le dossard rouge de la combativité pour Garrett Thomas. Le maillot jaune Greg Van Avermaet, voilà, je cherchais dans ma tête ce que je trouve pas trop logique de le mettre, malgré qu'il n'est pas grimpeur et qu'il a fait une très très bonne étape. Pourquoi pas, on aurait pu mettre pourquoi pas Julien Alaphilippe aussi. Bref, à voir. Pour ce dossard rouge de la combativité qui souriait aux Français sur les 10 étapes maintenant, ça fait 8 fois que c'est 8 fois un Français qui l'a porté. Enfin, non, 9 étapes parce qu'il n'y a pas de dossard rouge au contre-la-montre. 9 fois, 9 dossards rouges, 7 Français. Voilà les amis pour le dossard rouge. Si vous n'avez pas vu sur ma page Instagram, je vous annonce le gagnant du concours, Nina Hilo, dis-le moi si je prononce bien Nina ton nom. Bref, t'as demandé le maillot de l'équipe de France et les trucs là sur le côté, les textes. Tu m'as donné l'adresse que j'ai cachée, je ne veux pas vous la montrer. Bref, en message privé. Donc le maillot, je peux pas l'avoir tout de suite parce que je veux pas te donner un maillot avec une étoile, je vais te donner avec les deux étoiles. J'ai appelé Nike, ils m'ont dit pas avant le mois d'août. J'ai poussé un peu une gueulante parce qu'il y en a plein à la télé qui l'avaient. Mais bon, toi tu l'auras pas avant le mois d'août. Voilà, j'espère, on te recontactera, on en reparlera après dans les autres vidéos. Bref, attends-toi à l'avoir pour le mois d'août, ce maillot. J'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. Mettez des j'aime, abonnez-vous, commentez la vidéo. C'est tout pour le moment. Salut, Guichel Palais.